Bonjour à tous. Alors, hier, je vous ai montré une petite vidéo de cette CC70002 bimoteur. Donc là, je vais vous montrer un peu ses fonctions. Par contre, je n'ai pas demandé d'annonce en gare. Voilà. Donc, on a en touche sur la Rocco Multimos, donc les feux avant et bien sûr rouge à l'arrière. Ensuite, en deux, klaxon ton aigu. Après, klaxon biton en 3. Après, ensuite en 4. Alors, en 4, voilà, donc là je suis dans le bon sens avec l'éclairage de cabine et le troisième feu central. Alors cette fonction est également en touche 5. Alors, je vais là, voilà, ici hop, on repart. Voilà, en touche 5, donc l'éclairage cabine, troisième feu en même temps. Alors en touche 6, c'est le mode manœuvre avec le crissement des roues. Alors je vous montre. En 8, on a le compresseur. En 9, klaxon plateforme. En 10, klaxon tunnel. Ensuite, en 11, le sifflet. En 12, on a les joints de rail, mais là donc ça se fait je pense en roulant. Alors je vais quand même l'activer, faire rien. Voilà. Ensuite, en 13, on a le sablage. Voilà. En 14, serrer les freins. Desserrer les freins. Seize, les ventilateurs. Et en 17, klaxon de ton. Donc voilà. Donc alors je vais sortir le. Je vais lancer le moteur en touche 1. Voilà, donc on entend premier démarrage moteur, deuxième démarrage moteur. Voilà. Alors, je vais sortir l'appareil photo du support. Voilà. Et là,
Et voilà. Là, vous la voyez peut-être un peu mieux que sur votre réseau, c'est différent là. Et c'est vrai que c'est une belle machine. Et là, vous voyez, bon, sa vitesse. Allez, je suis à un tiers. Sur la multivo, je suis à un tiers du réglage. Voilà. Hop, on repart. Et voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous ai montré cette belle 70002 ben, Lima Jouef, je dirais. Voilà, donc ma foi, ben, je vous dis à bientôt. Bonne journée, salut!